Connaissez-vous la légende selon laquelle on peut retrouver des crocodiles dans les égouts? Eh bien sachez qu'elle est vraie, car c'est le 7 mars 1984 que les égoutiers de la ville de Paris repèrent un animal. Et pour cause, il s'agit d'un crocodile du Nil d'environ 1 mètre. Les pompiers parviennent à le capturer et le transfèrent à la ménagerie du jardin des plantes. Et la crocodile, puisqu'il s'agit d'une femelle, a été transférée à l'aquarium de Vannes et a été surnommée Éléonore. Et elle a vécu paisiblement jusqu'à son transfert à la ferme des crocodiles, dans la Drôme, où elle a fini par mourir en mai dernier, à l'âge de 36 ans.